Bonjour à tous les Breakers, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour l'épisode 8 de GTA 4. On va donc continuer un petit peu l'histoire, désolé pour le retard, il y a eu quelques soucis sur GTA 4, j'avais un problème avec une erreur 1001. J'ai dû faire quelques modifications sur le PC pour pouvoir lancer le jeu, c'est avec... Il y a des bugs avec le launcher en ce moment, c'est un peu chiant, du coup j'ai dû trouver une solution pour pouvoir tourner les épisodes. Enfin du coup problème réglé pour le moment, j'espère que ça va pas recommencer, du coup je vais tourner deux épisodes d'affilée. On verra bien ce que ça donne. Donc on va continuer l'histoire, on va aller... Et ben on va aller chez lui, chez on va aller voir Dimitri, il est là. Mais je crois qu'il va y avoir une heure à respecter. On va y aller directement à pied, c'est juste là, bah il y a la flèche. Mais je crois qu'il faut revenir, ouais, à une heure donnée. On va voir, je vais traverser la route vite fait. Je crois qu'il faut revenir en journée, non? Ah bah non, c'est bon. The Master and the Molotov. Dimitri. Hey. Sit down. What's the problem? What do you think? Mikhail, Mr. Faustin. Uh-huh. You're given a choice. Kill your best friend or die. What do you do? And there is no way out? Not now. Not after you killed Petrovic's son. You don't have any family. You could run. Wherever you go, people will find you if they want to badly enough. And for this, they want blood. But you and Mikhail, you have so much history. Sure. Well, I killed the boy. So they want me to. No. I told them you were a hired gun. And they said as long as you were the one to kill him, you'd be spared. So that's the way it is. Yes, that's the way it is. He'll be leaving his house in a little while and heading for the club. Do what you have to do. You know, if there's one thing I've learned, it's that we must obey the rules of the game. We can pick the game, Niko Bjelica, but we cannot change the rules. See you later. Bon, on va aller au club de Faustine. Visiblement, ça va chier. Bon, on va prendre une voiture. Il y en a une là. Est-ce que c'est loin cette histoire? Ah non, c'est juste à côté. Pas besoin de couper au montage. Allez, go. Là, il arrive. Ouais, il y a toujours le pigeon au-dessus. Faustineto Perestorica. Ok, Nico, nous avons pas le droit à l'erreur. Mikhail est dangereux. Je t'ai laissé de quoi te protéger le... Te protéger à côté du club. Ah ok, Dimitri. J'ai un autre message. Brucey, un vrai tueur comme toi devrait penser à devenir un justicier pour le blé. Les flics sous-traitent toute cette merde à des tueurs à gages. À voir la prochaine fois que tu pirates un ordinateur de keuf. Ah oui, d'ailleurs ça me fait penser.
que j'ai vu que ça vous avait plu la mission qu'on avait fait via la voiture de flic, ça faisait un peu RP. Si vous voulez que je fasse d'autres épisodes, parce qu'il y en a plein de missions comme ça à faire, bah voilà, comme il dit, Brucide, tueur à gages, mais via l'ordinateur de police de leur véhicule, si ça vous intéresse que je fasse des épisodes spéciaux pardon là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et ce sera avec plaisir. On fera des sous-catégories ou comment dire, des sous-épisodes. Certains sur les vols de véhicules de Brucey et d'autres sur les missions de flics, si ça vous dit. Bah voilà, on va faire ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Nico. Nico Bellic. You and Dimitri are taking over now? This is not about taking over! You brought this on yourself! You pushed things too far! You would be dead if it wasn't for me. That is what Dimitri wanted when you killed Vlad. Dimitri... my brother. You see this? This statue says we are brothers for life. And now he betrays me. You didn't give him a choice. You should have been calm. No one, not Dimitri, not anyone tells me to calm. You think Dimitri would have survived prison without me? He'd just be some prison queen had I not been there, meet for some gin monkey. I am not dead yet. Some are still loyal to me. Guards! Got something special bon, for ça you! Ça va chier. Ok. You are nothing very good. Give up! The strong start and the weak die! You will see! I got where I am for reason! I will have some Balkan shit! I need you! You pissed off too many people, Mr. Faustin! Don't push me, friend! They call this your fault! Say hi to Ivan the Terrible for me! You should not fuck with me! That guy is going to think twice. Hey, Castor! Voilà. Il y a plein d'argent là. Il y a de l'argent propre, l'argent sale et un peu de tout. On va recharger. Oula. Dimitri will turn on you as well. I am a man of convictions. I have only done what I believe. None of you will survive in this country without me. This American greed takes everyone. Putain, je vois rien. It's like a disease. Only I am still safe. Il est où cet enfoiré? Oh, désolé. Putain, je l'ai envoyé direct en bas. Je vais pas laisser le choix à lui. Bon bah voilà, on se casse de là. Faustin is dead. You did a good thing, a hard thing, but a good thing. Hopefully this will mean peace with Petrovic. Ok, bon bah voilà. J'ai plus de balles. On va peut-être quand même faire un tour au Emination. Et on va descendre de là et puis on va aller
Brucey, il est où? Il est pas très loin, bon, on va y aller direct. Je vais sauter par là. Voilà. On va passer dans la ruelle derrière. Ah non, on peut pas, faut passer par l'intérieur. Non, c'est pas ici, c'est la porte rouge. Ah, j'aurais pu avoir grand monde de toute façon. Voilà. C'est tout calme. Ah non, lâche. Merci. Ok, bah il y a ma voiture là, c'est parfait. Allez, on est reparti. Y a pas besoin de couper, c'est juste là. Ça m'évite de faire plusieurs coupages. Plusieurs coupures plutôt, en français. Téléphone à Dimitri pour savoir s'il a parlé à Petrovitch. Ou attendre que Dimitri te contacte. On verra bien. On s'en a des missions à faire. Donc. On va faire comme ça, on va attendre. Hein. Allez, on va arriver chez Lucy. C'est juste là. Hop! On va se mettre ici. Et voilà. Easy as can be. 32, 33, 35. There's someone here to see you. I'm working out. 36, 37. Hey, Brucey. Nico, one second. 40. Why didn't you tell me it was Nico? Why? Man, women, man, women. Kia, 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 kia. Yeah! Man, I'm ready for you, Nikki. I'm ready. I'm ready for fucking anything. Yeah! Wah! 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 Whoa! Oh, motherfucker. Are you all right? You seem a little tense. Yeah, sorry. I'm just juicing. Makes me a little pent up. Juicing? Yeah. Bull shark testosterone, amigo. Ordered online from Chile. Makes you feel really male. Hey, be careful, man. I heard that stuff does funny things to your balls. Hey. Do I look like I got funny balls to you? I haven't considered it. You sent me a message. What do you want? I want help! I'm losing the plot here! Pause. Nah, I'm shitting you, man. Now look, you did really good with that thing. A lot of people are very grateful. Now listen, that guy Lyle had a car worth stealing. Can you get it? He left it in an alleyway off of Yorktown Avenue in Steinway. If you pay like last time, no problem. Yeah, of course. Any risks? Nah. Easy as can be. Yeah. Okay, I'll just go take care of it then. Yeah! Bye. Merde. Désolé, j'avais coupé le micro, je sais pas si je l'avais rallumé entre deux ou pas. On va aller directement sur place. En tout cas, j'espère que ça vous plaît toujours autant cet épisode. Même si voilà, il y a eu un peu de temps entre deux là. Mais bon, j'ai pas eu trop le choix avec ces bugs là. Presque arrivé déjà. Un petit peu abusé le frein à main là. Ah, c'est bon, c'est juste là. Pas besoin de couper au montage. Hop. Allez. Fais le tour et récupère la voiture. Celle-là ? Ça a l'air. Ouais, c'est celle-là.
J'aurais peut-être dû m'équiper à mon avis. Je sais pas pourquoi, mais... Ouais, ouais c'est sûr. No risks, Brucey? Maybe this juicing is fucking with your head. He trying to take Lau's bribe. Ok, là il y a du monde. Je vais me mettre en travers. Ouais, mets-toi à couvert. Allez, une balle dans la tête. Et c'est réglé. Il y en avait d'autres. Oh, ça m'intéresse ce que t'as. Lui c'est bon. Je vais voir ça. Ah, il y en a un autre. Oh bordel. Sors-moi de là. Ah oui, bien ça. Bien, 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 bien. C'est bon. Nickel. Il doit y en avoir d'autres. Lui, il en avait une. Ah, mais ils sont radins. Et lui? Non, il avait rien. Bon, ok. Bon, on retourne dans la ruelle. Je crois que je l'ai nettoyé. Je vais être tranquille maintenant. Des fois, faut pas se casser la tête. Allez, go! On ramène ça à Brucey. On va essayer de pas l'abîmer. On aurait plus trop avoir de visite là normalement. Hop. Ce qui est vraiment dommage quand même, c'est que je puisse pas vous mettre la radio. Alors, faudrait que je la mette en fond, mais avec très peu de son, mais bon, c'est chiant avec les droits d'auteur, quoi. Alors, c'est pas le fait de pas pouvoir monétiser, mais c'est surtout que tout dépend les morceaux, ça peut carrément me bloquer dans certains pays, voire même la France, quoi. Et du coup, vous pouvez pas voir la vidéo, ça serait bien problématique quand même. Wow! Ah bah alors ça, bon bah c'est pas grave, hein. Je voulais pas l'abîmer mais là je sais ce que ça m'a fait. Mais... m'a fait un bon la bagnole. Ouh, ça c'était juste aussi. Il la réparera bien, il a un garage. C'est le coup que ça me dit de la réparer une fois arrivé au point. Ça m'étonnerait pas. Vas-y, je passe avant. Merci. Ah non, c'est bon. Oh, ils se calment les flics là. Bon bah c'est bon. C'est fait. Brucey asked me to bring this by. You're lucky it looks as good as it does. The only thing Brucey thinks is good looking is himself in the mirror. Thanks. Elle était pas abîmée, j'ai fait un tonneau avec. Ah, là il y a un petit bug là. Ok. Il trouve pas la sortie visiblement. Bon c'est bon. C'était comique ça. The car is in your lockup. It was not so easy. People were waiting for me. Shit, man. If I'd known it'd be like that, I'd have gone to get it. People don't fuck with Brucey. I mean, you're cool though. You made it, man. You got that mad red army driving skill.
skills. I'll sort you out with some big rims, spinning ones, crazy original styles, you know? We'll cruise, we'll hang. Alright, alright? Thanks, homie. Thanks. Okay. Allez, on va aller faire un tour au cybercafé. Voir ce qu'il y a de nouveau. Nico, you are back to Logan? That's right. Thanks. Voir s'il n'y a pas de mail important ou tout comme ça. Moi j'en ai qu'un. Osan, comment ça va? C'est qui ça? Comment ça va? Tu as décidé de rester à Liberty City? Comment va ton cousin? Moi je suis resté, il paraît que c'est ce que tout le monde a fait. Tu es au courant pour ce pauvre capitaine, il n'a pas eu de chance. On l'a retrouvé mort et bourré dans la rivière. Et tous les autres qui se sont barrés, vite fait. Je me demande ce que ces Chinois ont fait de l'héroïne qu'ils devaient passer en douce. En tout cas, la marine marchande, c'est fini pour moi. Je reste dans le coin, je suis en Floride en ce moment. Mais je reviens bientôt, j'espère. On se croisera, je vais peut-être avoir du boulot pour vendre des faux sacs à main. À Suffolk. On peut se faire un paquet de fric ici, c'est dingue. Ok, bon c'était son pote du bateau je crois ça. Je suis resté, préviens-moi quand tu reviendras en ville. Ok. Alors je voulais juste regarder un truc. Est-ce qu'on le voit maintenant ou pas? Parce que si je fais le jeu c'est aussi pour quelque chose qui se passe à la fin du jeu dans GTA 4. Voir si ça marche ou pas. Est-ce qu'on peut le voir maintenant? Ouais, ça doit avoir un nom bien précis. Parce qu'en fait, il faut savoir que là, quand on a fini le jeu, on reçoit un mail qui s'appelle Chiliad 8888, qui donc est clairement un teaser pour GTA 5 à l'époque, hein, et qui parle de pas mal de choses sur le mystère, en fait. Il y a pas mal de trucs assez étranges. C'est pour ça que je voulais refaire GTA 4 aussi, c'est pour pouvoir remettre la main dessus complètement et vous en parler correctement en vidéo. Ah, on a un message de Roman. Et n'oublie pas que si t'as besoin de fric, tu peux faire le taxi pour moi. Oui, bah bien sûr. Hein. Bon, on va appeler Dimitri là, donc à faire vu qu'il n'y a rien. On va voir s'il a appelé l'autre Polak là. Je ne peux pas répondre pour le moment. Instant. Ah bah, là, c'est assez calme. Alors peut-être que du coup... bah non, je peux pas faire de mission. Je vais même vous montrer un truc, mais si je pique la voiture de flic, on va avoir un problème. On va essayer quelque chose, mais pas sûr que ça marche. On va essayer, hein, mais je promets rien. Vas-y, monte. Allez, on va essayer de les semer. Je vais vous montrer vite fait juste. Wow, comme il est arrivé lui. Oh, oh comme dans les films, il est arrivé. Oh. On va sortir de la zone. Et juste vous montrer un peu tout ce qu'il y a à faire hein, au niveau des missions. Hein, que je vous parlais tout à l'heure. Parce que c'est quand même dingue. On va faire quelques épisodes, on va pas dire RP, mais presque quoi. Ah, attendez, je vais me garer. On va se mettre là. Dans la ruelle. Hop. Alors, normalement, je m'arrête. LB, donc vous voyez, voir les crimes en cours, consulter les archives, appeler des renforts, voir les criminels recherchés. Vous voyez, là, vous avez tout ça. Et donc ça, c'est juste sur l'île où on est actuellement. Et pour chaque île... donc, alors, attendez, je vais vous montrer. Donc pour chaque île, on a toute une liste de mecs qui sont recherchés, donc on en a pour cette île là, on en a pour cette île là, pour celle-ci, et pour finir pour celle-ci. Donc il y a vraiment plein de choses à faire sur GTA 4 avec ce concept, qui peut être intéressant. Après vous avez des petites missions comme ça, mais bon c'est moins... Enfin, c'est des trucs récents, mais le plus intéressant c'est ceux-là, c'est criminels recherchés quoi. Assassin de malfaiteurs, il y a plein de trucs intéressants, donc voilà. Dites-moi si ça vous intéresse et on fera des épisodes là-dessus, genre deux missions par épisode ou une mission ou trois, je sais pas, je verrai. Et si ça vous intéresse, je le ferai avec plaisir. Donc moi, on trouve le Mohamed dans le centre-ville de Broker, bien seul. Ok.
Mais il est où le point? Little Jacob. Alright, my brother. Me and I'm rushing to the next deal. I only pissed off one. He's dead. I'm going to meet Dimitri to collect on the hit. Yo, Nico, you better watch your back, you know. I know you're wicked, but them boys, them are some dog ass, you know. I'm not afraid of him. Yeah, my eyes can't see, my heart can't leap at, you know. Me, I come with you. Where's the place? A warehouse on Mohanit. I know the one. You see around the back. Okay. Ah mais oui, je crois que je m'en souviens, ça va partir en vrille cette histoire encore. Donc faut que je prenne un véhicule. Oh la vache! On va les récupérer. On va prendre ça. C'est où? Ah bah c'est pas loin, on va y aller en... On va y aller direct. Hop. Allez, c'est parti. On va aller au point. Récupérer Little Jacob. Ça m'emmène bien au bon endroit, moi, cette histoire. Ouais, c'est ça. Ça vous laisse un peu de gameplay aussi. Parce que toujours couper, c'est bien, mais bon. Vous voyez pas grand chose du jeu. Je pense que de temps en temps, je couperai un peu moins que d'habitude. Elles sont lourdes les voitures, c'est dingue. Ah merde, c'était là. J'ai raté l'entrée. Ah oui, mais en fait on se rend... Ah oui, je le rejoins devant l'entrée du machin en fait, ok. On s'en est pas. Wow, 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 wow. Vache. Putain, ça y va les tonneaux ici. Oh. Ok. Russian Revolution. Sharp eyes, huh? You don't know, but I've it seen star. Hey, Nico. Glad you could make it. Yes. You got the money? Sure. But I just wanted to say how grateful me and my bosses are for what you did. Good. Yes. And I just wanted to check something with you. Okay. You are Nico Bellic, correct? What is this? And you used to work the coast in the Mediterranean, smuggling people into Italy. I don't know what you're talking about. But you messed up. And left a lot of bad debt. You left a good friend of mine out of pocket. Big time. Hello, Nico. Hello, Mr. Bulgarin. Russ, where is our money? Oh, putain. I don't know. I didn't rob you. Really? We were busted a mile off the coast. I had to swim for my life. I don't know what happened. I nearly drowned. Huh. My heart is bleeding. I did my best. I didn't fuck up. Where you are? Ah! Ah! Et voilà, ça part en cacahuète. Alors. Il est... I am trying to get you. I'm cut off your fucking head. Ouh. Get out of the way. Ok alors. Vas-y, lève-toi toi. D'avancer un peu, voilà. Ça c'est bon. Wouhou. Shit.
Merde, 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 ça c'était pas prévu comme ça. Sors de là. Ah, je me rappelais pas qu'il y en avait autant. Ok. Ah, j'ai plus de balles déjà. Super. Encore un là-bas. On va se mettre là-bas. Hop. Ouais, ça dans la tête. Ah, mais ça c'est bien. Un petit cocktail. Fuck you! Merde, c'est à côté. J'ai touché un peu, mais pas assez. On va essayer d'avancer. On a un Uzi. Hop. Ah, là, il y a un peu plus de balles déjà. Oui, c'est bon, j'ai chopé. Il en reste deux là. Pas bon. Je vais faire le tour. Par là. Hop. On va ramasser les munitions. Parce que c'est pas gratuit cette histoire. On va se mettre là. Bordel. J'ai pas des grenades, non? Il est mort. Il est mort aussi. Yo, mec, go back to the camp. Side. Yo, find me a car, I'll forget out of here. Everything fast right here. Barren all over the place. Lose them! Allez, go. What went wrong? I don't fucking know. C'était peut-être pas une bonne idée de prendre des gens de flics. On va leur faire. M'éloigne un peu d'eux. On change de véhicule. On va passer par là. Voilà. Ah merde, c'est un cul-de-sac. Pas cool, pas cool, pas cool. Ouais, on va partir là-bas. On va couper à travers le parc. Ouais, c'est bon. On a fini. On était déjà avec le boisson café. Ok. Bon, en plus on est dans la bonne direction, c'est parfait.
I told you Dimitri was a snake in the grass. I didn't know that Mr. Bulgarin was here in Liberty City. If I could have killed them all then and there. Just chill, Nico, man. One at a time. One cocoa filled basket. See? We find out where Dimitri is, then BAM! We take the rest of them out. Just keep your head down until then. Fucking Dimitri. Made me kill Faust and then he sell me down the river. Just call Nico. The boy is a general, you know, see? He's gonna make his own downfall. That head of monkey climb, the more I'm exposed in battle, you see it? I will bring Dimitri down myself. I promise you this. Allez. I'm gonna speak to Batman. You keep on alone, call your woman and get out of this place. Hey, thanks for your help, Jacob. One love, my brother. Sauvegarde en cours. Tu peux téléphoner à Roman pour le mettre au courant de ce qui se passe. Ok. On va l'appeler de suite alors. Je le ferai après. On va terminer cet épisode là-dessus. Je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Pourquoi pas vous abonner si vous découvrez la chaîne via cette vidéo. Vous avez tous les liens de mes réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram disponibles dans la description, ainsi que le lien du crew de GTA Online si ça vous intéresse. Je vous remercie de regarder l'épisode, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé et on se retrouve pour l'épisode 9 très rapidement. Merci à tous, ciao.